Yo les gars, c'est Mathis Neuf, j'espère que vous êtes tous très bien, en tout cas moi ça va impec. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur FUT. Oui, FIFA Ultimate Team pour changer du mode carrière. Ça faisait longtemps que j'en avais fait hors ma série Mathis Neuf défi des youtubeurs. Voilà, ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvé sur un petit FUT, donc on va se faire ça. J'ai lancé une petite série, je sais pas combien je vais faire d'épisodes. En fait la série sera consacrée, sera le but de faire une équipe à partir d'un prénom. Là j'ai choisi le prénom Victor parce qu'il y a pas mal de joueurs qui sont représentés par ce prénom. J'ai essayé de faire le maximum de collectifs avec les joueurs qu'il y a et je peux vous dire que c'est pas très évident. J'ai essayé de caser les meilleurs joueurs et on va tout de suite commencer avec la présentation des équipes. Donc Victor, c'est pas obligé de leur prénom, ça peut être leur nom de famille, ça peut être ce que vous voulez, un surnom, je sais pas quoi, mais tant que c'est dans le nom complet, et bah je le prends. Là c'est Victor Valdez, voilà je le prends. Ensuite changer de joueur, voilà, Victor Lopez, Victor Cuesta, Victor Ruiz, Victor Andrade, Jelani, Victor De Paula, donc voilà il y a Victor entre, il y a Victor dedans, ça passe. Victor Wanyama, Victor machin Perez, Victor Ibarbo, Victor Anishebe et Victor Moses. Après j'ai bronzé mon banc au carapeur avec les Victor, mais voilà on part avec cette équipe, on se lance un match. Et voilà, on voit ce que ça donne. On voit ce que valent les Victor. Voilà, tout simplement. On a donc trouvé un adversaire qui veut défier la team Victor. On va prendre notre maillot de l'équipe America. On va voir qu'est-ce qu'il nous a préparé comme équipe. Alors, attention. Ouais, c'est de la merde son équipe. Clairement, c'est de la merde. Allez, les Victor, on est parti. Pourquoi t'es parti? Mais fallait pas. Bon, on va relancer un deuxième match du coup. Ok, on a trouvé un adversaire qui ose défier la Victor Team. On va voir qu'est-ce qu'il nous a concocté comme équipe. J'ai vu qu'il avait 96 de collectif. On va voir ce que ça va donner. 79 de notes. Ok, il a tenté de faire une hybride. Il s'est loupé. Il lui manque 4 de collectif. Mais ça peut être une équipe assez sympa et ça peut nous surprendre. Je crois que le joueur, le MJ, a 5 étoiles de gestes techniques. Je suis pas sûr. En plus, il y a Kalanoglu dans l'équipe. Attention à cette équipe. C'est parti. Let's go les Victor. Oh c'est magnifique. C'est magnifique. Oh la Victor était chaud là. Les Victor étaient chauds. Voilà, premier tag du Victor. C'est le Victor tacle. Voilà. Bien joué Victor. Bien joué Victor. Ah Victor t'es en jeu. Oh attention, non, Victor, bien joué Victor gardien. Ouh Victor c'est pas bien ça. T'es violent Victor. Ouais carton rouge pour Victor. Oh, en plus c'était les joueurs qui avaient 5 étoiles. Je respecte rien moi non plus. Oh ouais bien joué Victor gardien. Oh bien joué Victor, très bonne défense de Victor là. Allez Victor, allez la vitesse de Victor. Entrée Victor, Victor, Victor. Ah oh, c'est contré. Oh les Victor là, défendez mieux que ça. Oh ça rentre quand même. Oh là là. Victor en défense c'est pas terrible hein. Ouais bien joué Victor. Oh non. Bon 2-0. Victor en défense c'est pas ça hein. À la mi-temps on voit bien que les Victor ils sont pas faits pour le foot. Hein. Ah Victor, Victor gardien il est seul aussi. Ok. Allez, allume. Oh Victor. Allez bien joué ça. Allez Victor. Allez Victor, tente ta chance. Victor. Voilà Victor, il sauve l'honneur. Bien joué Barbeau. Voilà 3-1. Du match pour les Victor, défaite 3-1. Bon voilà, les Victor, hein, c'est pas ça, je pense qu'ils peuvent arrêter le foot. C'était une équipe vraiment pas terrible. Après on a joué contre un bon adversaire, c'est vrai. Le Victor de ce match, c'est Victor Machin Perez, Vitolo. Et Victor Ibarbo aussi qui a pas été mauvais.
Voilà, dommage que Giuliano a pris un rouge assez tôt dans ce match parce qu'il aurait pu être intéressant. Après, c'est vrai qu'au niveau des stats, on s'est fait bouffer, hein. Mais le principal, moi, ce que je dis toujours, c'est d'avoir la possession. Là, on l'a eu, donc c'est le principal. C'est comme si on avait gagné. Donc voilà, les gars, fin de cette équipe avec les Victeurs. Voilà, conclusion des Victeurs, ils sont mauvais, clairement. Après, c'est vrai qu'avec 73 de notes, 66 de collectif, on pouvait pas faire beaucoup mieux. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez un deuxième épisode de cette série avec un autre prénom. J'avais notamment pensé au prénom Jordan qui est pas mal représenté dans le football. Si vous voulez un deuxième épisode aussi, conseillez-moi dans les commentaires un prénom sur lequel je pourrais me baser. Me dites pas de Léo parce que je pourrais pas caler Léo Messi. Me dites pas des prénoms qui vont être trop chers parce que voilà, je pourrais pas mettre les meilleurs joueurs parce que voilà, je suis pas Qatari. Donc voilà, moi je suis marseillais, on n'a pas d'oseille. Donc voilà. Dites-moi dans les commentaires tout ça. Si vous avez kiffé la vidéo, les gars, n'hésitez pas, le petit like, un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde.